Le duo Les Vamps, campé par Dominique de Lacoste et Nicole Avezard, a fini par se séparer après plusieurs décennies de route ensemble. Cette rupture a été difficile à encaisser pour Dominique de Lacoste, venu témoigner sur le plateau de l'émission Chez Jordan sur C8 ce lundi 13 novembre. Dans la vie, en amour, comme en amitié, les couples se font et se défont et finissent parfois par se séparer. Cette situation, Dominique de Lacoste l'a vécue dans le privé comme dans le professionnel. L'humoriste de 65 ans était l'invité de Chez Jordan sur C8 ce lundi 13 novembre. Pleine de gouailles et d'entrain, l'humoriste est revenu sur le duo qu'elle a formé pendant plusieurs années avec Nicole Avezard, les Vamps. Nicole jouait le rôle de Lucienne Beaujon, Dominique campait, quant à elle, celui de Gisèle Rouleau, deux vieilles dames aux mœurs un peu vieillottes habillées en ménagères des années 1950. Après avoir fait rire le public français, les Vamps ont néanmoins mis un terme à leur collaboration dans les années 2000. Une rupture apparemment initiée par Nicole Avezard, comme l'a fait savoir Dominique de Lacoste. Et elle n'a pas voulu y mettre un terme qu'une seule fois. Dominique de Lacoste a indiqué que Nicole Avezard a voulu tout stopper à plusieurs reprises avant de revenir vers elle. Au début, elle a arrêté pour avoir un enfant. Elle a adopté des enfants comme moi, elle a deux enfants. Mais on pouvait avoir un enfant tout en continuant à jouer. Ça a été la première excuse, a-t-elle fait savoir à Jordan de Luxe. Elle est revenue, puis elle a arrêté une deuxième fois, elle est revenue, puis la troisième fois, ça a été définitif. Malgré la volonté de se consacrer à autre chose, notamment la peinture, art dans lequel elle a exposé ses œuvres, Nicole Avezard est revenue sur le devant de la scène dans son costume de vamp, mais avec une autre que Dominique, Isabelle Chenu, dont le rôle est celui de Solange, la nièce de son personnage de vamp, Lucienne. En constatant que Nicole Avezard avait repris le duo avec quelqu'un d'autre, Dominique de Lacoste n'est pas resté de marbre, ça m'a fait drôle, j'ai trouvé ça bizarre. De la peine, si est-il pas le mot mais ça m'a fait bizarre. Je ne lui en ai pas voulu. On se parle encore aujourd'hui, évidemment. Pour autant, Dominique de Lacoste ne rumine pas dans son coin. Elle est remontée sur scène pour des One Woman Show et a tourné la page de cette période de sa vie, si est-il dommage d'avoir arrêté. Mais ce n'est pas moi qui suis responsable de ça. Ça fait longtemps. Ça fait 15 ans. Si on revenait, ça cartonnerait. Mais je n'ai plus trop envie maintenant. Point. On a chacune notre caractère, on était comme un vieux couple. On ne reste pas forcément ensemble toute sa vie. Ça n'empêche pas tous les souvenirs merveilleux qu'on a ensemble, 25 ans de Vamps, ce n'est pas rien. Ce ne sont pas les fans qui diront le contraire. Just me.